Hey yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre map aventure, le monde d'en haut. Et donc on se retrouve devant notre petite base, il y a la porte là-bas qu'on voit au fond de l'écran. Et donc au premier épisode, vous avez été très 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 nombreux à me traiter d'aveugle et vous avez totalement raison parce que bon, c'est vrai que en re-regardant l'épisode, c'était pas terrible quoi, j'ai même pas fait gaffe. Je vais peut-être aller dormir par contre parce qu'il commence à faire nuit. Hop, j'aurais peut-être dû dormir avant l'épisode, mais c'est pas grave, les LAN, hop, on est là. Donc on va dormir et aujourd'hui on va s'attaquer aux différentes quêtes. Donc je sais pas trop par où commencer. Oui, non, j'ai cru que c'était le plancher qui brûlait. Donc vous m'avez pas trop guidé au niveau des quêtes, parce que apparemment certains ont fait la map, mais vous avez pas voulu me conseiller forcément de quêtes à faire en premier lieu. Bon, on va découvrir la map. Oula, petit freeze quand je saute là. Bon, bref. On va découvrir la map. Il y a juste... moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah, pourquoi pas aller reparler au chef du village. C'est peut-être lui qui me donnera la quête. Enfin, une des quêtes du moins. Donc bah, c'est ce qu'on va aller faire. Ouais, il est là, Arawa. Donc non, il n'y a pas à regarder ce qu'il vend. Alors, encore bien joué pour l'épreuve, Leylan. Ok, donc il dit juste ça, donc il n'y a pas de quête. Bah écoutez, on est ici. Je propose... Bah tiens, on va aller par là-bas, il y a des panneaux. Oula, il y a des gros freezes. Je ne comprends pas trop pourquoi. Revenez, oui, c'est bon. Alors, lui... Promontoire du pêcheur, donc à mon avis ça doit être le pêcheur. Il y a de fortes chances. Hop, on va monter. Dialogue du pêcheur. Ah, juste derrière là. Hop. Mais c'est épée, tu as passé l'épreuve. Félicitations, Leylan, tu es officiellement un homme du village. Tu peux aller où bon te semble à présent. Tiens, puisque tu es là, tu peux me rendre un service. Lorsque je pêchais près de la forge, j'ai laissé tomber mon sac dans l'eau avec tous mes poissons dedans. Il faut absolument que je le récupère. Il a dû être emporté par les courants marins à l'heure qu'il est. Tu as peu de chances de le retrouver, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Ok, donc il faut qu'on retrouve le sac du pêcheur. Apparemment qu'il a fait tomber dans de l'eau à la forge. Bon bah écoutez, mettre le sac du pêcheur, oui bah j'ai pas encore le sac du pêcheur, il faut qu'on aille le chercher. Donc la forge, donc j'ai regardé vite fait, j'en ai entendu parler mais je sais absolument pas où c'est. Forge d'Atlante, bah voilà c'est ici. Donc oh, wow, ok. Hop, bienvenue dans la forge d'Atlante, Leylan. Ok, donc il y a le forgeron qui est ici. Je sais pas trop c'est quoi ça. Dialogue du forgeron, deux quêtes réalisables. Ouais, mais vu qu'on vient de prendre celle du pêcheur, on va peut-être, comment dire... Ah oui, donc c'est en allant à la forge. À bientôt. Oui, mais attends, je suis pas parti. À bientôt, merci. Donc apparemment, elle serait par là. Par là, le sac du pêcheur. Bon, on va regarder. Hop, alors apparemment, il aurait été emporté par les courants. Ah, il y a un coffre là. Attendez, je respire. Bon bah je fais très mal le mec qui se noie. Le sac du pêcheur. Oui, on a trouvé le sac du pêcheur. Bon ça va, la quête n'était pas non plus la plus dure du monde hein. Ou alors c'est juste que j'ai un super bon instinct et que je me suis dit bon elle va être par là. Hop, on va aller mettre le sac du pêcheur dans l'entonnoir. Hop, donc faut remonter du coup, c'est en haut. Bon bah voilà, première quête réalisée, plutôt sympa. Bon, j'avoue que celle-là, c'était pas non plus truc de fou, quoi. Mais c'est mon sac, je ne pensais jamais le retrouver. Merci, Leylan, grâce à toi, je pourrai de nouveau pêcher et stocker mon poisson. Tiens, je vais te donner ça comme ça tu pourras m'imiter et devenir mon apprenti. Merci, mais je ne veux pas devenir pêcheur, moi. Allons, ne fais pas le timide. Ok, donc il nous a passé... Une canne à pêche. Oh, sympa. Voilà, donc on a une canne à pêche. Et ben du coup, on va aller faire les quêtes de forgeron. Bon, la canne à pêche, je sais pas si on s'en servira.
On va aller faire les quêtes du forgeron parce qu'apparemment il y avait marqué deux quêtes réalisables. Donc ça peut être cool. Attention, dialogue d'entrée d'un forge. Bienvenue au forge. Pourquoi pas. Alors, nous vendons les meilleurs matos qu'ils soient forgés dans le feu du Nether. Alors tentez. Tiens, il m'a dit ça tout à l'heure. Ah ouais, j'avais pas vu. Il a disparu, il a brûlé. Ah non, il est là. Qu'est-ce qu'il vend? Ok, des pépites. De la rotten flèche pour avoir des pépites. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si ça c'est des crafts aléatoires ou si c'est prévu. Oh non, à mon avis c'est prévu vu qu'il y a pas mal de stuff là. Est-ce qu'on a du stuff? Ah oui, on a des bottes en plus. Des super bottes, donc on pourra avoir des bottes enchantées protection si on a une pépite. Et pour avoir des pépites, il faut soit du charbon, soit de la rotten flèche, soit c'est tout. Ok, bon bah éventuellement, on pourra venir se restuffer ici. Et donc on va lancer le dialogue pour avoir les quêtes. Alors regardez. Ah ah, Leland, tu tombes à pic. Ce flemmard de mineur m'a toujours pas livré ma cargaison spéciale. Peux-tu aller chez lui et l'envoyer à sa place? Je t'en serai reconnaissant. Et n'oublie pas de l'engueuler de ma part. Nouvelle quête, ramener la cargaison du mineur au forgeron en l'expédiant par wagonnet. Très bien, donc à mon avis ça va arriver de par là. Eh ben écoutez, hop, à bientôt. Il va falloir trouver par où est le mineur, parce que le mineur c'est un gros flemmard apparemment. Hop. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose? Lui c'est qui? Qui est tout... Oh non, il y en a un qui brûle. Ah bon bah tant pis. Lui c'est qui? C'est Ariella. Ah c'est une de notre pote elle. Oh. Qui c'est qui m'a tapé? Et qui c'est qui est en train de mourir là? Comment je fais pour ouvrir ici? Mais arrête de prendre des coups. Enfin, moi, oui, mais pas toi. On va manger du poisson. Hop, voilà. Donc, parce que je me suis fait disputer. Mais arrêtez! Non, en fait, ça sert à rien cet endroit. Ah, peut-être là, il y a un hooper. À mon avis, on n'est pas censé venir là. Bon, vous n'avez rien vu. Ça me semble être un truc peut-être intéressant, je sais pas, mais on peut pas y rentrer ici. Donc on va s'en aller. On va essayer de chercher le mineur. Alors je sais absolument. Alors j'espère que c'est pas le forgeron qui est mort là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est toi qui s'est noyé ou quoi? Non, lui il est toujours là le forgeron en plus. On va essayer de chercher. Non, pourquoi je cherche dans l'eau en fait un passage pour le mineur? Mineur, c'est dans les grottes, donc faudrait trouver une grotte éventuellement. Trouver une grotte. Et ça me semblait bien le truc que j'avais trouvé là, mais. Mais je sais pas trop comment y accéder. Oula, j'aimerais bien aussi éviter de trop. De trop laguer. C'est marrant parce que c'est des lags. En intermittent. Chef du village, ouais. Mineur. On va essayer de longer par là-bas là. Ça se pourrait que ce soit ça. Hop, on va aller sur ce petit truc là, cette petite île. Je sais pas si on a le droit techniquement. Bon, je pense hein. Sinon ils auraient mis un mur. Ou alors on va se faire TP peut-être. On va aller voir. Quoique il n'y a pas grand chose. Ah, il y a une mine là. Il y a une mine. On va essayer d'aller voir par là. Bon, si on voit rien de spécial de construit, on... éventuellement on repartira. Ok, pour l'instant ça a l'air d'être une grotte tout à fait normale. Avec des moutons. Des cochons. Non, il n'y a rien de spécial. Ah, peut-être par là. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais on peut pas y aller. D'accord, et bah très bien. Donc comme quoi c'est prévu dans la map. Peut-être plus tard. Je ne sais pas trop. Ah là, ça continue encore. C'est la même route ou pas? Non, c'est pas la même route, je crois pas. Ah si, ça rejoint en fait. Ça rejoint à la grande étendue là. Hop, on va repasser par là. Là, un lac. Ok, basique. Ah, là-bas, il y a des barrières. Ah ok, donc on est limité par les barrières. C'est bon à savoir. Tiens, changement de biome bien sympa là.
Donc du coup le minimum... Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un, dirigeons-nous vers lui. Bon, j'aurais pas dû le voir parce que c'est un bug de chunk, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. D'ailleurs, par un bug de chunk, ce serait bien que cela charge. Voilà, on a attendu un petit peu. Ouais, non, à mon avis, on va pas pouvoir passer là parce que c'est les limites. Ok, on va donc pas non plus essayer de gruger la map. Donc j'aimerais bien trouver ce mineur. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Et puis, bah, je vous retrouve dès que j'ai le mineur. Voilà, donc comme ça, ça va me permettre de chercher chercher un peu tout seul. Oula, gros freeze. Ça va me permettre de chercher le mineur tranquillement. Puis, j'essaie de voir, de visiter un petit peu le village. Mais je vais pas faire d'autres quêtes, voilà. Donc, à tout de suite devant le mineur. Et re tout le monde, donc on se retrouve, en fait je suis complètement débile, je vous ai quitté en bas de la colline, j'ai commencé à monter la colline, j'arrive là, je vois, vers le mineur. Bon bah au moins on a trouvé sa maison, donc cette ellipse n'aura servi absolument à rien. Alors la mine est par là, mais là il y a sa maison, donc je vais aller à sa maison je pense. Sauf si c'est pas ouvert, ah maison du mineur, est-ce qu'il est dedans? On va voir s'il est dedans. Ah, Leland, les affaires ne vont pas fort depuis que la mine est bloquée à cause d'un éboulement. Ah bah voilà aussi, il a une raison. Alors ça a l'air d'être la mine. Il y a un petit... D'accord, on voit la lune. Magnifique. Qu'est-ce que tu vends? Du charbon. Ok, ouais, on peut acheter différents trucs avec lui. Alors, dialogue. La nuit dernière, lorsque je me promenais près du village, j'ai vu Arawa rentrer dans ses appartements. Je voulais lui parler au sujet de mes problèmes de la mine, mais lorsque je suis rentré chez lui, il s'est volatilisé. J'ai juste entendu le bruit d'un piston. Le lendemain, je suis revenu, mais je n'ai rien pu trouver. Je me demande ce que le chef a fait. Quête secondaire, inspecter la maison du chef du village et trouver son secret. Ah, sympa. Alors juste, il va falloir que je trouve le minecart, moi. Alors, on va descendre dans la mine, je pense. Ah, c'est peut-être pas la mine, en fait. Vers le forgeron. C'est trop drôle. On lui envoie quoi? Une TNT ou le coffre? Le coffre, je suppose que c'est la cargaison, voilà. Voie fermée suite à un éboulement. D'accord. Bon. Allez, on va être gentil. On lui envoie ça. On va aller revoir le forgeron. Oh, du poulet, on prendra si... Qu'est-ce qu'il y a, là? Commerce par fait chaos. Ah bah tiens, on va lire, ça se trouve, ça va nous donner des infos. Niveau du commerce. Le forgeron et les mineurs vous vendent de nombreux produits, n'hésitez pas à commercer avec eux. Ok, donc c'est bon à savoir. Apparemment pas les autres. Vers le forgeron, on peut envoyer une tété. Ah ah, merci Leland, ma cargaison est entre de bonnes mains avec toi, voilà pour ta peine. Ok, alors ce mec parle à distance, donc déjà il est très très fort, et en plus il envoie des cadeaux à distance. Bon, bref, on a réussi la quête du forgeron, du coup. On va faire la petite quête secondaire que le mineur vient de nous confier. J'aimerais bien aussi... Hop, voilà. Oui, donc la quête secondaire, c'est ça que je voulais faire. J'aurais peut-être bien dormi. Allez, non, tais-toi. Je sais ce que tu dis. On va dormir chez lui, voilà. Histoire de passer la nuit et de pas trop prendre de risques. Voilà, ça c'est fait. Et je veux pas dire, mais je vais vérifier quand même. Ouais, je suis bien en difficile. Hein. Mais il y a jamais le mob. Donc je sais pas si c'est normal ou... Bon, je pense quand même. Par où est-ce que je... Oh, mince, je suis en train de descendre d'un mauvais côté. Mais j'aime bien le risque. Voilà, hop, 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 voilà. Comment on se casse les genoux. On va aller... espionner, oui, j'allais dire identifier, mais non, espionner la maison de Arawa, là. Arawa, si c'est ça son nom, je crois. Et on va essayer de trouver son secret parce que il s'est volatilisé l'autre jour. Oh, purée. C'est chiant la nourriture là. J'ai du poulet cru, mais voilà, j'en mange un pour arrêter de prendre des coups, mais c'est tout. Hop, la maison de Arawa, il me semble que c'est. Je crois que c'est par là, hein, là. Alors, Ariella, Zephyr, Tonio, Leland. Ouais, donc ça, c'est nous. Chef du village Arawa. Et là, c'est Tumunao. Ok. Il faut trouver un truc. Bon, déjà, on a trouvé du poisson. Piston. Donc, qui dit piston dit Alstone. Dit plaque de pression. Non.
Dit autre plaque de pression. Non plus. C'était quoi ce bruit? Ah non, c'est la trappe qui s'est... Oula. Oui, j'allais dire non, c'est la trappe. On va aller voir là. Je sais plus ce qui... Ouah, ça paraît hyper... hyper suspect, ça, par contre. Il n'y a pas un bouton, parce que du coup les boutons en stone sont assez discrets sur des murs en stone. Il n'y a pas de bouton là. Il n'y a rien dessus, non. Je ne sais absolument pas. Dans la cheminée, peut-être qu'il y a un truc. Ah, attendez. Il n'y a pas un truc là ou là. Je sais pas, hein, je teste des endroits. Non, il n'y a rien l'air d'avoir, à mon avis, c'est juste pour le roleplay, pour dire qu'il y a quelque chose. Ouais, alors, il doit y avoir quelque chose chez lui. Alors, il a dit, je l'ai vu rentrer dans ses appartements. Il n'y a pas l'air d'avoir de bouton ou... Non, cette LED-là, il n'y a rien de suspect. Du moins, je crois pas. Les fours... Il n'y a pas un système de détection de piston, d'ouverture de coffre avec le piston, non. La torche, il n'y a rien de... Ok, on va devenir complètement parano. Attention, ce buisson a des yeux, là, vous voyez pas? Vous voyez pas, là, le buisson avec des yeux, là? Ça, c'est un œil. Ça, c'est un œil. Et ça, là, ça, c'est son sourire. Voilà, donc maintenant, vous voyez le buisson avec des yeux. Enfin, bref, voilà, complètement débile. Non, bah écoutez, j'avoue que là, je sèche un petit peu. Ça se trouve, faut activer les deux très vite. Ah! Et là, il y a le piston qui s'ouvre. Non? Bon, ok. Non, à mon avis, le passage s'ouvre là. Mais alors, où ça? Je vois que cette cheminée me paraît assez suspecte. Le feu, il n'y a pas à éteindre de feu normalement. Non, bah écoutez. Ah, je vous dirais bien, si vous savez, dites-le moi, mais en même temps, j'aurais bien aimé voulu trouver par moi-même. Bah, tant pis, si vous savez, dites-le moi. Et, de toute façon, c'est qu'une quête secondaire, donc éventuellement, c'est pas trop grave. On va essayer de se faire une autre petite quête. Bah, pourquoi pas la deuxième quête du forgeron, tiens. Allez, soyons fous. Allons faire la deuxième quête du forgeron. Et on se laissera, normalement, après cette quête, comme ça, on aura déjà fait le forgeron. Ce sera plutôt cool, et puis à noter que on pourra échanger avec le mineur et le forgeron. Hop, je rentre. Bienvenue à la forge d'Atlante, Lélan. L'élève va me dire, on peut faire des trucs avec un machin de nether. Ok. Deuxième quête. Tiens, Lélan, te revoilà, j'ai une quête pour toi. Alors, peux-tu me ramener 5 steaks et 5 cuirs de vache? J'en ai besoin pour la confection d'armure. Tu trouveras des vaches sur la rive en face d'ici. Apporte-les-moi. Apporte-les-moi, d'accord. Et place les dans le conteneur en fer de ma forge. Ok, donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros il lui faut 5 cuirs, 5 steaks. Ouais, par contre je sais pas c'est lesquels pour les cuirs, lesquels pour les steaks, mais on va mettre un 1. Hop, à bientôt, c'est ça, donc sur la rive d'en face, par là-bas je pense, faut trouver des vaches. Est-ce que vous avez vu des vaches? Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Oh non, j'ai encore faim. Oh, c'est chiant. Hop, on va manger. Ah, sur la rive d'en face, c'est peut-être complètement là-bas, en fait. Hop. Voilà, j'ai plus de poissons, donc la prochaine fois... tant pis. Ah ouais, il y a des vaches là-bas. En plus, maintenant, j'ai une super épée, trop classe, l'épée Toa, qui a changé de nom, d'ailleurs. Elle s'appelait pas l'épée Tori. Il me semble, enfin bref... Allez, on va aller tuer les vaches pour avoir des steaks et du cuir. Alors là, normalement, il y a l'espèce de mine. Ah, je peux pas sprinter, on va passer par là. Bon, ça se trouve, c'était faisable, mais bon, vu que je suis assez nul. On va éviter de prendre le risque pour perdre plus de temps. Tiens. Ouh, elle fait mal, par contre. Elle a quoi? Ah, la solidité 2. Bah, pourquoi elle fait aussi mal? Ou alors, c'est juste que les vaches n'ont absolument pas de vie. On va essayer. Ouais, non, il y avait un problème. Oula, la vache qui court fait laguer le jeu. Ok, vache qui court fait laguer le jeu. Bon à savoir. Alors, on a 5... Hop, il nous manque juste les cuirs. Oh, reviens là.
Ah. Non mais oh, non mais attends, t'en vas pas. Je veux pas tuer tous les autres à cause de toi, hein. Ok, on en a 4, et toi? Bim! Voilà, on en a 5. On a même 11 steaks, alors là. Grosse éclate, on pourra même en garder pour nous, pour manger. Bon, bah voilà, deuxième quête du forgeron faite. On va aller la rendre dans ces petits conteneurs de forge, et puis on pourra se laisser à la forge avec un monsieur qui a l'air fort sympathique, qui donne des quêtes pas trop dures, mais en même temps, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et puis, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on gagne, je dirais, un casque. Parce qu'avec 5 cuirs, on fait un casque. Le casque, je l'ai pas déjà. Non, voilà. Et puis, je pense que à terme, on a toute l'armure. Donc, je pense que va falloir qu'on fasse une autre quête chez quelqu'un d'autre pour gagner le pantalon. Mais là, il y a de fortes... À moins qu'il me donne les deux, là, éventuellement. S'il est très généreux. Mais, non, je pense plus que... On va avoir soit le casque, soit le... Oui, éventuellement le pantalon, mais pas les deux. Bienvenue à la forge, machin, machin. Hop. Alors, voilà les 5. Et... Attends. Tiens. Hop. Pour toi. Ça te convient? Ça te convient pas? Non, ça a pas l'air de te convenir. Oh, oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a sauté comme ça? Ah, ok. Donc, les steaks, c'était... Les trucs, c'était là. Et ça, c'était là. Merci, Leland. Tu me rends encore un fier service. Tiens, prends ce qu'il y a dans ce coffre. Ça peut toujours être utile. Attention. Oh, reviens à la forge. Attention, définitif. Ok. Ouh, l'épée du guerrier. Qui est mieux que l'épée de... L'épée de je sais pas quoi. Bon, bah, grosse surprise, hein. Je pensais avoir un truc en cuir. Eh bien, non. Par contre, je sais pas, absolument pas où j'ai passé le PNJ. Bon, il s'est en allé. Est-ce qu'on regarde la cargaison? Je suis tenté, mais allez, on va la jouer RP. On ne regardera pas. On va se laisser. Alors, il m'a dit au revoir, mais je ne sais absolument. Le forgeron est un magicien, en fait. Voilà, vous le savez maintenant. Le forgeron est un super magicien. Bon, bah voilà, on se laisse devant la forge. On aura fait les deux quêtes de forgeron, la quête du mineur. Et puis, bah écoutez, ça s'annonce assez sympa. Des petites quêtes assez cool, assez bien réalisées. Il y a des petites fautes d'orthographe, mais bon, c'est pas trop grave. Et sinon, la map me plaît plutôt pas mal. Voilà, donc bah, on se laisse pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et salut tout le monde!